Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel make-up. J'ai voulu vous faire un tutoriel make-up dans des teintes que j'aime, bien sûr les teintes violettes, avec une palette qui m'a été offerte par Mélanie, la BH Party Girl After Hours. Il y a 32 couleurs dedans, elle se présente comme ça du site BH Cosmétiques. D'ailleurs j'attends un trésor qui va arriver dans pas longtemps, vous savez la palette de la youtubeuse Carly, que je suis, j'adore, donc j'attends voir. Voilà comment elle se présente. Donc c'est des couleurs qui sont très flashy. Il y a énormément de teintes violet et la particularité de cette palette, c'est que vous retrouvez 4 fards, ils appellent ça les Diamond Shade, où ils sont pailletés. Tous les autres, c'est des fards mat, il y en a quelques-uns, le blanc que j'ai utilisé là, il y a des petites paillettes, mais rien à voir avec cela. Donc j'ai utilisé bien sûr des fards violets et celui-ci, c'est un diamond shade. Donc vous allez voir ça. Il y a un miroir à l'intérieur, c'est en carton. Donc je vais voir aussi au niveau de la tenue des fards. Et derrière, ils mettent laisser s'exprimer la Party Girl qui est en toi, grâce à la palette Party Girl 2, une collection de 32 ombres à paupières incroyables comprenant 4 ondes diamants extraordinaires et amusantes avec une forte concentration de pigments destinés à un usage multiple. Créer un look parfait pour le jour ou plus glamour pour devenir la reine des tapis rouges. Voilà. Donc j'ai utilisé cette palette là pour le tuto. J'ai utilisé d'autres produits qu'on voit un peu moins dans mes vidéos et que je me sers, mais c'est vrai que je ne vous ai pas présenté. C'est un long lasting and pencil waterproof de la marque Elite Intensity. Pareil, c'était Mélanie donc qui me l'avait offert. J'ai mis en creux de paupières, j'allais vous dire n'importe quoi, en muqueuse. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez la marque Elite. Hop. Ensuite, au niveau du fard à joues, c'était Eve de Rêve qui me l'avait offert, la marque Maybelline, c'est un beau rose, le 201. Voilà, c'est celui-là que je porte avec, vous voyez ce qu'il sort, le highlight de chez I Love Makeup Revolution, offert aussi par Stéphanie. Je crois que je vous ai fait un tuto offert par mes abonnés. Donc voilà. Et il y a écrit Earth's Highlighter Goddess of Face Taster. Je vais vous montrer parce que moi, l'anglais, ça fait deux. Voilà, ça se présente dans ce petit truc. Je pense qu'il y a peut-être un aimanté, ça se trouve. Pour voilà. En tout cas, moi, je l'aime. Hein, ça se voit d'ailleurs. Je commence à le creuser. Bonne tenue, bonne pigmentation. C'est un bon highlighter, j'aime bien. Et je vous ai présenté dans Lundi vient boire un café avec moi un rose, c'est la référence rose, il se présente comme ceci, il est vraiment trop beau. Il ressemble au 211 je crois de Rimmel London que vous aimez toutes, hein. Tout le monde me demande à chaque fois c'est lequel que tu mises, et c'est un dupe. Pour celle qui fait des réunions Kiotis, qui va avec Stano, vous pouvez le retrouver, moi je l'avais eu pour 2,55€ au lieu de 14€ je crois, et voilà. Bonne hydratation, bonne pigmentation, c'est un rouge à lèvres qui va tenir jusqu'à temps que je mange. Enfin voilà, dans l'ensemble, il a quand même une bonne tenue, c'est pas un mat, hein, mais il a quand même, je trouve, une bonne tenue. Et j'ai aussi appliqué, où j'ai un peu plus de mal, où j'avais pu le tester avec le site Octolis Mascara. C'est la forme de la brosse qui m'a dit, waouh, je vais essayer parce que j'ai le perversion de chez Urban Decay qui est un peu dans ce style-là. Voilà, je vous ai fait un crash test sur ce mascara-là. Mais bon, on s'habitue. Donc si vous voulez voir le look, si vous avez ces produits-là et que vous voulez le reproduire, allez-y. Au niveau liner, j'ai pas changé, c'est mon Taito Liner de chez Kat Von D. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.